Bonjour tout le monde. J'ai découvert Porcupine Tree avec l'album Lightbulb Sun il y a 22 ans. J'ai immédiatement adopté leur univers musical novateur pour l'époque et j'ai poursuivi le voyage avec eux d'alternatif expérimental en métal et même parfois en progressif. Ce qui ne devait être d'abord qu'une blague entre musiciens est devenu un groupe de référence pour de nombreuses formations contemporaines. Aujourd'hui, les imitateurs de Porcupine Tree sont légion. Un peu trop d'ailleurs. The Incident fut leur chant du cygne et pour moi un de leurs meilleurs albums. Colin a rejoint Orc et d'autres projets, Gavin est devenu le batteur officiel de The Pineapple Thief, Steven a poursuivi sa pop électro en solitaire et Richard a commis des trucs étranges et inaudible. Mais qui eût cru que Steven, Gavin et Richard se réuniraient à nouveau pour un album ? 13 ans plus tard, voici Closure Continuation, un double vinyle 7 titres et 48 minutes. Pas de doute, c'est bien du Porcupine Tree amputé d'un bassiste génial. Le son est au rendez-vous, la forme également, mais quitte de l'âme de la bande à Wilson. Lors de la première écoute, je n'ai rien ressenti jusqu'à la phase B du second vinyle. Le dernier morceau, Chimera's Wreck. Non, j'exagère un peu. Walk the Plank m'avait déjà tiré de ma torpeur juste avant. Bon, j'avoue, je faisais une sieste au casque. Closure Continuation donne l'impression que Porcupine Tree a recyclé du vieux matériel en virant la basse et en ajoutant des touches électroniques. Je n'entends pas ici les grosses prises de risque que l'on trouvait sur leurs précédents albums, ni ces titres frisant le génie et qui ont construit la légende du groupe. C'est le son de Porcupine Tree, parfaitement maîtrisé, mais rien qui ne me fasse grimper au rideau. L'ouverture basse-guitare-batterie de Haridan annonce la couleur. Porcupine Tree est de retour, et Porcupine Tree, c'est. D'emblée, on reconnaît la patte des trois mousquetaires, un peu trop peut-être, comme s'ils craignaient de nous surprendre. La prod est super léchée et les sections instrumentales nombreuses sur les 4 morceaux qui dépassent les 7 minutes. Il y a même un zeste d'expérimental dans l'avant-dernier titre Walk the Plank et quelques nouvelles idées dans Chimera's Wreck. Closer Continuation s'écoute vraiment bien, même s'il ne va pas changer la face du monde. Après plusieurs passages en la platine, je trouve Wrath's Return et Dignity fort sympathiques, même s'ils sont d'un grand classicisme wilsonien. Mike Portnoy a élu Closure Continuation album de l'année. Le pauvre, il a dû bosser comme un fou et ne pas écouter grand-chose depuis janvier. Ou alors il était tellement en manque de Porcupine Tree qu'il est complètement aveuglé. Pour ma part, je ne m'attendais pas à grand-chose. Du coup, j'ai été quand même agréablement surpris. La semaine prochaine, nous parlerons d'un truc qu'Alias a déniché. Ça va faire mal. Bisous.